Who's the best player you've played with and why is he the best? Difficile. Et Alessandro Del Piero, et on a fait 10 ans ensemble, et on a fait l'histoire au niveau club. Who's the best player you've played against and why is he the best? Et à mon époque, c'était Paolo Maldini et Milan AC. What is the best match you've ever played in? France-Italie, championnat d'Europe 2000, je marque le but de la finale. What is the best goal you've ever scored and why? Contre l'Italie, 2000, une belle frappe. What is the best goal technically you've ever seen on a football pitch? Ça peut être au niveau technique contre avec l'AS Monaco contre Manchester United à l'Old Trafford. Sinon le but aussi contre l'Italie en finale, c'était le geste d'un avant-centre. Who's the best player you've ever seen in training? Zinedine Zidane. Par rapport à sa technique. Who is the funniest person you ever shared a dressing room with? Le plus drôle, ben, il y en avait, mais Mauro Camoranesi, il était très fort, un ami à moi surtout. Titi Henry aussi à l'époque, AS Monaco, très drôle aussi, il voulait s'amuser à chaque fois. Et après, voilà, les deux, excellent. Who is your best friend in football? Et avec Mauro Camoranesi, on a fait une amitié très très forte. L'avant, le pendant et l'après-football, on essaie de, quand on se voit, d'être ensemble, on s'amuse bien, et on est content et fier d'être ensemble. What is the best piece of advice you were ever given? J'avais un très bon rapport avec Marcelo Lippi. Et c'est lui qui a fini ma formation au niveau pro. C'est lui qui m'a beaucoup aidé pour venir être au top niveau. Et voilà, ses conseils a beaucoup payé. What is the best stadium you ever played in and why? C'est le stade à River Plate et Buenos Aires. J'ai connu une époque où c'était la folie totale. Chaque match, 90 000. Et même quand on le voit ici, les Argentins, c'est la folie totale au niveau supporter. Quand j'ai connu ça, ça n'a pas été évident.